puissance régionale qui a des ressources considérables, mais qui n'arrive pas à avoir une intégration locale à créer un tissu économique en dehors de l'industrie pétrolière, et c'est l'un des problèmes de l'avenir. Et je pense que ce genre de problème ne peut pas être réglé par un État tout seul, en dehors de regroupements régionaux, au moins au niveau maghrébin. Ça ne veut pas dire Wahda al-Fawriya, comme disait Kadhafi, c'est-à-dire décréter l'existence d'un État unique, et on peut maintenir les souverainetés des États et prévoir une solidarité économique horizontale, qui ne passe pas par les pays du Nord. Et les études de tous les experts nationaux et internationaux montrent que le non-Maghreb coûte 3 points de croissance à tous les pays du Maghreb. Et on sait qu'un point de croissance crée je ne sais pas combien de centaines de milliers d'emplois. Oui. Donc, vous avez le défi à relever pour une économie comme l'Algérie qui a atteint vraiment un plafond en matière d'amélioration. L'Algérie ne peut pas aller plus loin si elle ne prévoit pas une forme de solidarité avec les États voisins du Maghreb. C'est la même langue, la même culture, la même cuisine. C'est le Khaldoun définit le Maghreb par le Halqaraqs, le Barnous ou le Couscous. Vous allez jusqu'à Benghazi, vous avez, pour que les Berbères ils se rasaient la tête, ils portaient le Barnous. Ce n'était pas la même tenue après Saint-Loum et la consommation du couscous. Plus d'autres affinités, alors l'Europe, les pays européens qui se sont fait la guerre, les guerres mondiales, ils ont réussi à créer un espace économique. Et les peuples qui ont toutes sortes d'affinités culturelles, religieuses et une histoire commune n'arrivent pas à cause de problèmes locaux. C'est un des problèmes à étudier sans polémique à la fin. Donc, que vous soyez touriste ou maghrébin, allez en Algérie, même si le tourisme n'est pas encore très développé. L'Algérie n'a jamais voulu développer le tourisme, c'était un choix presque lié à une fierté, parce que rien ne choquait plus les Algériens. Les posters là, de touristes européens au sud de Marrakech, où vous avez une touriste hollandaise à dos de chameau, en bikini, et puis le brave Marocain qui conduit le chameau. Les Algériens ne voulaient pas cette forme de relation aux Européens. Mais il y a les appels d'offres les plus récents concernent la restauration de 1000 petits hôtels en Algérie pour faciliter l'accueil pour le touriste qui n'a pas de famille, qui ne peut pas aller dans les grands palaces comme El Jazeera et l'Orassi. Vous avez des hôtels à Djedjeli, à Kelma, à Tébessal, qui font l'objet d'appels d'offres pour les rénover de manière à accueillir les touristes peu fortunés. Voilà, donc j'ai peut-être atteint ma... Oui. Donc il y a du grain à moudre en matière d'études historiques, à mon avis, le meilleur moyen. C'est de tenir compte, si vous voulez, de la grande proximité de l'Algérie par rapport à un pays comme la France et de la très grande différence. Si vous voulez, si on a imposé l'arabisation, l'arabisation était quelque chose de totalement inévitable pour quelqu'un qui se souvient de l'arrêt du Conseil d'État de 1933 à l'Algérie, langue étrangère, dans un pays arabe. Donc l'arabiser, c'est indispensable. Maintenant, l'arabisation dans ses modalités, elle peut être discutée, mais les gens qui la discutent à partir de la Sorbonne ou des longues eaux, il faudra qu'ils se souviennent de la tentative de Tahar Hussein. Tahar Hussein croyait plus à l'hellénisme qu'à la révélation. Il n'est pas plus francophile dans le monde musulman que Tahar Hussein. Donc il aurait commencé une arabisation très moderne, même laïciste. Mais on a saboté son projet. Donc tous ces précédents devraient les avoir à l'esprit. On devrait rééditer le rapport Combes sur l'enseignement musulman. Il appelait l'enseignement musulman en Algérie. Ça intéresserait d'abord vos instituts.
voir l'historique de l'enseignement de l'islam, comment la France a essayé de le moderniser selon des critères vraiment draconiens, et comment repartir sur de bonnes bases, partir d'une décolonisation des esprits qui ne se limite pas à une décolonisation purement politique, style cessez-le-feu, référendum. Donc il y a de la matière pour les chercheurs, que ce soit dans les établissements privés ou les établissements publics, pour contribuer à relancer les études islamiques de manière générale, compte tenu de leur déclin. On n'a plus de grands islamologues ni de grands orientalistes. Et la principale cause, c'est la politisation des études islamiques, qui a été conçue comme une réplique à la montée de l'islam politique. Keppel, Le Vau, etc., toutes les coqueluches des médias là, qu'on voit à la télévision, n'étudient que les mouvements qui font peur. Il n'y a pas d'études sur la société. L'Algérie a 1,5 million d'étudiants, hein, alors qu'il y avait 400 étudiants en 1951. 400 étudiants algériens en tout et pour tout. Maintenant, vous avez 1,5 million. Ça intéresse les gens qui plaident pour l'immigration choisie. Sarkozy, quand il était en Algérie, il était très intéressé par les médecins algériens. On leur fait passer un concours à l'ambassade de France, on leur donne le choix entre un passeport et une carte de séjour, ils viennent exercer ici. Or, 1,5 million d'étudiants, ça devrait faire l'objet d'études pour voir l'adaptation de l'enseignement supérieur algérien aux besoins de l'économie. Ici, vous avez de la liaison. Je m'en suis occupé, moi, à l'époque, la liaison industrie-université. En Algérie, on s'intéresse à ce côté depuis récemment. Comment adapter la formation des diplômés aux demandes de l'industrie, de la société, de l'économie en général. Et donc, à partir d'ici, l'Algérie est à moins d'une heure là, de Marseille. Donc c'est un pays très très proche, c'est le pays arabe le plus occidentalisé du fait de la présence française. Vous avez une francophonie, vous avez même des gens qui sont formés exclusivement en arabe qui parlent français, ils peuvent communiquer avec les touristes français sans problème. Et donc, à mon avis, cette proximité devrait se traduire dans la relance des études d'algérologues, et de l'étude d'islamologue de manière générale. Voilà. Je crois que j'étais trop long et un peu désordonné. Donc, le remercions Dr Sadr Sellem pour son intervention très riche. Certainement, pour notre programme, on va, après l'ouverture de ce cycle de conférences, revenir un peu sur l'aspect historique et géographique basique de l'Algérie pour nos inscrits pour le voyage, et on le laissera bien sûr ouvert pour tous. Donc certainement on reviendra sur une présentation un peu très simple de l'Algérie comme il a commencé dans la deuxième partie, mais il ne pouvait s'empêcher du fait de sa connaissance un peu très pointée de beaucoup de sujets qui vient de traiter, ou on a traité une partie, tout en soulevant beaucoup de questions que nous avions même l'intention à la faculté de les traiter dans l'avenir. Par exemple, la question aussi de l'enseignement de la langue arabe et des sciences islamiques, dans laquelle nous essayons modestement d'y participer, parce que c'est un vrai problème même pour l'État français. Donc l'enseignement de la langue arabe, l'État français veut organiser un enseignement qu'elle-même gère, mais elle met très peu de moyens. Même des spécialistes au niveau de... Il y avait beaucoup de séminaires organisés par le ministère de l'Éducation nationale, au Sénat et autres, dans lesquels on dresse un bilan dramatique de l'enseignement de la langue arabe de l'islamologie en général, des sciences islamiques en France. Et au même moment, on se plaint que ces petites associations ou certaines courants
un peu, qui sont un peu à l'extrême ou autre, investissent le terrain et orientent un peu les étudiants, les jeunes qui sont demandeurs d'un savoir sur la langue arabe et des sciences islamiques. On ne met pas du tout, on ne se donne pas du tout au niveau de l'État français les moyens pour répondre à ce besoin. Donc du fait qu'un établissement privé comme le nôtre, on essaye à notre modeste niveau à apporter notre petite pierre à l'édifice, en essayant d'avoir une vision éclairée de l'islam pour nos jeunes, et puis pour aussi contribuer avec les structures existantes de vrai dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de cette question d'enseignement de la langue arabe et des sciences islamiques. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur un rapport l'année dernière pour un colloque qui a été à Alger sur les minorités musulmanes à l'étranger en général, donc où j'ai préparé un rapport de 90 pages sur toutes les statistiques de l'INSEE, etc., par rapport à l'enseignement de la langue arabe et dans le cadre ILCO, donc enseignement dans les cultures d'origine, et dans le cadre de l'éducation nationale, où on est vraiment à un pourcentage de 1 ou 2%, avec un nombre d'enseignants qui est en chute permanente. Et donc, c'est tant de questions que nous avons l'intention de se pencher dessus dans l'avenir, et certainement nous aurons encore une fois le plaisir de recevoir Dr Sadr Sellem pour traiter certaines de ces questions. C'est juste ce que je n'ai pas dit au départ, c'est dans cette semaine, deux conférenciers étaient très malades et nous n'étions même pas sûrs qu'ils venaient. Donc c'est pour ça que nous avons attendu un peu les deux derniers jours où nous avons senti un peu une amélioration sur leur état de santé. Docteur Ali Tablit, il est arrivé d'Alger il y a une semaine, il n'a pas quitté son lit. Donc ce n'est qu'il y a deux jours que nous étions sûrs que nos chefs conférenciers allaient être là d'une façon certaine. Donc on les remercie parce qu'ils ne sont pas totalement guéris, mais on les remercie encore une fois pour leur venue. Donc là, je ne sais pas si on va peut-être réunir toutes les questions un peu vers la fin. Donc avec un petit groupe convivial, je pense qu'on va réunir les questions à la fin, à moins qu'il y ait déjà qui... S'il n'y a pas une opposition dans la salle, on va écouter l'intervention de professeur Tablit par rapport à l'Algérie ottomane, dans laquelle Dr Sadr a déjà touché un peu en quelques mots. On peut peut-être recueillir les questions. Oui, à moins que c'est noter un peu les questions. Et puis on répondra après. Donc, à vous, si vous avez des questions. Donc, je pense que c'était tellement riche et condensé que... Ah non, c'est jamais complet. Hein. Toujours... Pas des candidats à l'investissement en Algérie. Ah, pour ça, je pense qu'on ouvrira une session complètement que pour ça. Vous avez parlé de l'investissement en Algérie, mais si un jeune entrepreneur voudrait investir en Algérie, comment ça se passe? C'est quoi les démarches à suivre? Est-ce qu'il y a des facilités ouvertes pour des... Ben, l'Algérie a créé tout un office, l'ANDI, pour le développement de l'investissement. Et l'Algérie fait publier des guides de l'investisseur qui est actualisé tous les ans depuis 6-7 ans. Et les consulats et les ambassades, là, en mettant des antennes pour informer les candidats à l'investissement. Donc, si on veut, sur un objectif futur d'investir,
en Algérie pour prendre contact avec les consulats et les ambassades pour Il y a un service économique de l'ambassade d'Algérie à Paris et un service économique de l'ambassade de France à Alger. Il publie aussi régulièrement les chiffres et les résultats donc, de l'effort législatif destiné à améliorer l'attractivité. Donc, au début, c'était un pays qui faisait peur. Compte tenu de l'image médiatique très très mauvaise, mais c'est un pays qui donne l'activité, l'emporte sur. Il y a beaucoup de franco-algériens là, qui avaient réussi ici, qui au début étaient très très craintifs, mais beaucoup d'entre eux ont réussi à s'implanter en Algérie. Est-ce qu'il y a un domaine beaucoup plus prisé par, par l'investissement en Algérie enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un domaine concernant moi, dans le domaine de la restauration, qui est beaucoup plus prisé sur l'investissement en Algérie? Est-ce que c'est plus dans le milieu du bâtiment, plus dans le milieu du tourisme, de l'habitation, de l'alimentation enfin, est-ce qu'il y a il y a plusieurs. C'est-à-dire, les créneaux porteurs, c'est candidat à l'investissement de les explorer. Mais il y a eu beaucoup de contacts, certains étaient concluants, les agences de voyage là, qui étaient intéressées par le tourisme dans le sud. C'était difficile, mais beaucoup ont réussi à s'implanter, à avoir des accords, notamment en collaboration avec l'école de tourisme. Le ministère du tourisme a une école à l'hôtel Horace, qui forme les cadres du tourisme. Certains de ces élèves sont venus faire des stages ici, des stages de fin d'études dans les universités françaises. Mais sur le plan de la restauration aussi, c'est un créneau considéré comme porteur. Parce qu'il n'y a pas plus d'offres, enfin, par exemple en concernant les besoins du pays, il n'y a pas une branche, un métier dans lequel il y a beaucoup plus d'offres pour pouvoir investir, dans lequel enfin, on est beaucoup plus sûr de notre réussite, mais à savoir s'il n'y a pas un taux ou des pourcentages qui disent que sur certains domaines, l'investissement est beaucoup plus florissant que sur d'autres. Si on veut rassurer. Là, c'est les experts quand même, parce que les entreprises qui ont déjà des performances ici, en général, ils confient à leur expert comptable le soin de faire des études de marché. Et l'expert comptable est tenu d'être polyvalent, c'est-à-dire qu'il doit maîtriser toutes les nouvelles législations, donc le nouveau droit du code des investissements, le nouveau droit des affaires. Parce que vous avez, par exemple, les employés qui n'étaient pas protégés contre les licenciements abusifs. Le droit social algérien a une législation très stricte là, qui rend l'Algérie très différente d'un pays comme le Maroc, où l'arbitraire persiste de ce côté-là. Le Maroc a des avancées par rapport à l'Algérie, mais sur ce point, le droit social algérien est un. Vous avez la dernière législation, c'est sur la propriété industrielle. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de contrefaçons, mais pas seulement à cause des Chinois en Algérie. Vous avez beaucoup de produits là, qui appartiennent à une société dans le Var, Saint-Raphaël, etc. Mais on la trouve distribuée à Al-Haraj parce que quelqu'un s'est mis à exporter. Il s'est mis à imiter. Sans autorisation, il y avait brevets, des licences. Et donc là, le dernier cri de la législation algérienne destinée à améliorer l'attractivité de l'Algérie pour les investisseurs, c'est pour lutter contre la contrefaçon. Vous avez des garanties pour le rapatriement en devises des bénéfices. Vous avez une législation bancaire très très pointue. Vous avez le nouveau plan comptable. Ce qui décourageait les gens, c'est que le plan comptable algérien était très très différent du plan comptable français. Maintenant, il est aligné sur le plan comptable, etc.
Si je me permets, il y a d'autres réseaux, je pense, comme le RIAJ, il y a d'autres réseaux un peu... Non, le RIAJ, c'est pour les diplômés. On met des grandes écoles pour les convaincre d'aller travailler en Algérie. Je me trompe, mais je me sens comme si j'ai vu un peu des informations, des adresses par rapport à certains réseaux qui font des formations, qui informent un peu par rapport à l'investissement en Algérie, etc. Il doit y avoir quelques associations comme ça, comme celles qui existent pour le Maroc ou pour d'autres pays, un peu pour informer les candidats à l'investissement, un peu pour... Oui, et sur le plan, bon, par exemple, le fait qu'il y ait le projet de réhabilitation de 1000 hôtels, c'est la première retombée, c'est la restauration. Dans ces hôtels, il va y avoir des restaurants. Donc il y a de quoi proposer, de faire des propositions originales. Vous avez toutes sortes de traiteurs là, qui fournissent les grands hôtels. Il y a des facilités de partenariat déjà sur les entreprises qui ont déjà... Le partenariat est fortement recommandé. Ouais, quelqu'un qui part d'ici, on lui laisse le soin de choisir un partenaire algérien. D'accord. Créer une société selon la règle du 49-51. L'Algérien a 51%, celui qui vient de l'extérieur, 49%. Donc il y a, si vous voulez, quand on voit l'histoire de l'économie algérienne sur la longue durée, c'est quelque chose d'assez... à la limite du croyable, l'Algérie c'était une économie administrée, très centralisée, socialiste. Et au bout de plusieurs tentatives de libéraliser l'économie, on a fini par passer à l'économie de marché. Du moins sur le plan de la législation qui ne change pas. Pour éviter de. Vous avez des rémanences dans les habitudes des. Partenaires algériens, vous avez beaucoup d'anciens hauts fonctionnaires là, qui ont été les artisans de la politique économique administrée, qui deviennent chefs d'entreprise parce qu'ils ont bénéficié d'une privatisation. Vous avez beaucoup d'entreprises d'État qui ne marchaient pas, on les a privatisées, parfois au dinar symbolique. Et quand le bénéficiaire de cette privatisation est un ancien haut fonctionnaire, habitué à l'économie administrée, c'est un faux libéral. Il n'est pas encore la culture de l'économie de marché. Donc, si vous avez affaire à des situations comme ça, il ne faut pas s'étonner. L'Algérie est dans une situation hybride, où sur le plan législatif au moins, elle atteint un point de non-retour. C'est le choix de l'économie de marché, de la liberté d'entreprendre, avec toutes les facilités bancaires, législatives, le droit du travail, le droit social, etc. Mais vous avez des rémanences, vous avez des survivances de l'ancien système, ne serait-ce que par le biais de ces bénéficiaires de privatisation. Mais l'Algérie, ça reste, si vous voulez, si le héros a amené, je ne sais pas, 6 ou 7 ministres avec lui, c'est bien parce que c'est une puissance financière, l'Algérie. Si vous voulez, les dernières déclarations qui ont été faites, c'est l'inverse de l'investissement français en Algérie, puisque Montebourg a dit nous allons faciliter l'investissement d'hommes d'affaires algériens en France. Donc ça va être un programme de compagnies, des milliardaires, et on va leur proposer d'acheter les actions dans les sociétés qui sont menacées par le dépôt de bilan, comme c'était le cas de Peugeot à Honnay. Vous savez, elle était menacée. Donc, du côté français, vous avez beaucoup de blocages. Du blocage à cause de certains nationalismes économiques, par exemple, qui a été à l'origine des protestations jusqu'à Bayrou, qui a dit c'est scandaleux la délocalisation de Renault à Tanger, qui crée 6000 emplois. Il aurait préféré maintenir ici. Donc vous avez des blocages. Au nom de l'intérêt économique national, on accepte des transferts de souveraineté au profit de l'Union européenne, de la Commission européenne, et quand il s'agit d'un État du Maghreb, vous avez des réactions nationalistes étonnantes comme ça. Or, la véritable coopération économique suppose la darara ou la derara, le principe du droit musulman. Maintenant, on dit win-win, hein,
Gagnant-gagnant. L'investissement, les 1000 PME, PMI, vous avez les deux tiers qui sont inadaptés parce qu'elles ne créent pas d'emplois. Vous avez des sociétés, par exemple, d'alarme pour des inondations, etc., qui louent un appartement à Tel Ibrahim, et payent un gardien algérien, et puis le type, là, il a un compte en banque à Nice ou à Cannes. Mais ça, pour les Algériens, c'est pas bon. Les Algériens ont besoin d'investissements qui crée 15 emplois, 25 emplois, pas seulement un gardien. Or, la France, dans l'état actuel, la France sortirait de sa crise due au surendettement si elle arrive à attirer une partie des recettes pétrolières des deux grands pays pétroliers maghrébins, c'est la Libye et l'Algérie. S'ils déposent le tiers de leurs avoirs dû aux recettes des hydrocarbures dans les banques françaises, ça soulagerait l'économie française. Or, pour le moment, l'Algérie achète à 300 milliards de bon, du trésor américain. C'est beaucoup plus sûr pour elle que d'investir dans les banques françaises. Or, on peut convaincre l'Algérie et la Libye de placer leur avoir en partie en France si ça a des contreparties, s'il y a des investissements français dans ces pays créateurs d'emplois, pas seulement capitalistiques, comme disent les bons économistes. Donc vous voyez qu'il y a sur le plan des potentialités, c'est quelque chose de considérable, et vous avez des blocages des deux côtés. Vous avez les rémanences de l'Algérie a une administration très tatillonne, une bureaucratie, qui parfois vous réclame déposer un dossier, vous demande 18 exemplaires. Et puis il n'y a pas de photocopie dans le quartier à Cheraga, il ferme à 5h30, il est 5h15. Vous êtes reporté. Vous avez des problèmes comme ça. Les Algériens sont habitués au parcours du combattant. Et un Français qui y va est découragé très vite. Mais du côté européen, vous avez les partenariats, les accords de partenariat de l'Union européenne d'un côté avec ces pays pris un à un. Même si on parle de partenariat privilégié, comme ce qui est proposé à la Turquie pour justifier son rejet, son refus d'adhésion à l'Union européenne. Ces accords sont insuffisants par rapport aux grands enjeux économiques qui concernent à la fois le devenir des économies européennes et le devenir des économies émergentes. Il faudrait trouver d'autres formules que les partenariats, même privilégiés, mais avec les pays arabes. Il faut trouver une nouvelle formule d'association entre l'Union européenne d'un côté et un bloc maghrébin de l'autre. Ça changerait la vie. Mais pour le moment, l'Algérie a ce qu'on appelle en arabe Wafra Naftia, qui rend ce pays très attractif. Et si vous voulez, les binationaux, ou même les Français de bonne volonté, peuvent vraiment faire des affaires dans l'Algérie d'aujourd'hui s'ils se donnent la peine de lire les 300 pages du guide de l'investissement qui est actualisé chaque année et qu'ils acceptent le dépaysement. Il y a un autre créneau, à la fois économique et culturel, c'est les séjours linguistiques. Vous savez, on a parlé de la crise de l'enseignement de l'arabe ici. Les Arabes auraient pu proposer une solution évidente, c'est au lieu d'investir à l'Institut du monde arabe dont ils n'ont pas le contrôle, ils auraient pu créer un institut financé par la Ligue arabe pour former des enseignants d'arabe de très haut niveau. Or, les Arabes ne se sont pas mis d'accord pour ça. Il reste l'autre possibilité, c'est d'organiser des séjours linguistiques de moyenne et de longue durée dans un pays comme l'Algérie, où vous pouvez avoir des facilités si vous amenez des jeunes familles immigrées en vacances, ils vont au bord de la mer, ou vont à Tamaracet, ou à Kardaya, et puis il faut leur enseigner la moitié du temps l'arabe. Vous trouvez des enseignants très facilement. À Damas, vous avez un seul enseignant, à Damas, dont le nom m'échappe, mais qui est très connu, qui faisait des cours pour les Français dans son appartement. Il avait plus de succès que l'Institut français de Damas, ou l'Institut Bourguiba. En Algérie, il y a la possibilité de faire ça en accord avec les agences de voyage, avec le ministère algérien du tourisme qui faciliterait ce genre de séjour de vacances, mais dans le même temps, profiter pour
Si on enseigne l'arabe dans un pays arabe, un jeune fils qui répond dans un mois, c'est plus efficace qu'un an. Un enseignement intermittent. Alors, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de tentatives, mais ça n'a jamais pris. Mais c'est un des créneaux où il faut essayer de voir ça de plus près. Surtout que du côté algérien, il y a beaucoup plus de réceptivité que les réactions bureaucratiques épidermiques d'il y a 15 ou 20 ans. Donc sur ce, je pense que nous passerons à l'intervention de Dr. Hamid Abli par rapport au thème annoncé qui est l'Algérie ottomane et ses relations internationales. Et donc, Dr. Tablit a beaucoup travaillé sur ce sujet et il a publié beaucoup de livres. Il y en a certains qui sont ici. Il y a toute une table qui est exposée là-bas au fond de la salle. Donc, sans tarder, je lui cède la parole et je le remercie encore une fois d'avoir fait l'effort de venir malgré sa maladie. شكراً. معذرة على الصوت. أنا سأتكلم بالعربية لأني لم أتعلم الفرنسية. لأن الوجود الفرنسي، الاستعمار الفرنسي 132 سنة. في قريتي إلى 1954 لم تكن عندنا مدرسة فرنسية بدعوى أنهم جاءوا ليحذروننا وليمدلونا. فالمهم تعلمنا العربية في المدارس القرآنية لجمعية العلماء والحمد لله مع كبر السن وواصلنا دراستنا وحتى جاءت الثورة وبعدها جاءت منح من الحكومات العربية فأرسل درست في المشرق بالعربية وبالإنجليزية ومن ثم واصلت دراستي العربية والإنجليزية حتى الدكتوراه تاعي العلاقات الجزائرية الأمريكية 1776-1830 باستقلال أمريكا واحتلال الجزائر يعني الفترتين لكن سأتكلم عن الوجود العثماني الجزائر العثمانية من 1516 إلى 1830 باختصار طبعا ماهوش ممكن واحد يتكلم ثلاث قرون زيادة طبعا لما كانت خليها في الأخير أنا أعطي عندي سبع نقاط سأتحدث عن كل نقطة وأترك لك المجال لترجمة باختصار D'accord. On va faire une traduction un peu résumée vers la fin de l'intervention des sept points essentiels que le Dr Tablit développera dans son intervention. طيب النقطة الأولى وضع الجزائر أو حالة الجزائر قبل قدوم الإخوة عروج. يعني كيف كانت الجزائر آنذاك؟ طبعا كانت مشتتة مقسمة في تلمسان وفي الجزائر وفي بجاية وغيرها. إلى أن جاء الإخوة عروج بطلب من سليم التومي الذي كان يحكم مدينة الجزائر وطبعا النتيجة كانت عرفت فيما بعد فيما يتعلق بوفاة أو بقتل سليم التومي واستيلاء عروج على السلطة وطبعا عمل عروج وأخوه خير الدين على ارتقاء الجزائر إلى دولة موحدة وكان المشكل أمام عروج هو حصن بانيون الذي كان موجود في الأميروتي في البحرية الأميرالية البحرية الجزائرية من طرف الإسبان وحاول خير الدين عروج ولكنه لم يستطع في وقته فتولى الأمر أخوه خير الدين بعد قتل عروج في منطقة لمسان إذن في 1529 خير الدين يفتك الحصن هذا من الإسبان وبدأت الدولة الجزائرية تتكون شيئا فشيئا بعدها عرفت الجزائر هجمات أوروبية من كل البلدان الأوروبية بدون استثناء من البرتغال من إسبانيا بالخصوص إسبانيا نظرا لعلاقة العرب بالأندلس ومن فرنسا ومن بريطانيا ومن الدول الاسكندنافية ومن جنوة وبندقية ومالطا وصقليتين وغيرها كلها لم تنجح في القضاء على مدينة الجزائر
نظرا لقوتها يعني لم تكن كقوة كبيرة في القرن السادس عشر بل في القرن السابع عشر أصبحت قوة يحسب لها حسابها في البحر الأبيض المتوسط. بعد هذه الفترة القصيرة جاء التنظيم الإداري للجزائر من حيث التقسيم الإداري بحيث وجدت ولايات تسمى بايلك الغرب بايلك الشرق بايلك الوسط قسنطينة تيتري وهران قبل احتلالها ومعسكر فيما بعد طبعا والجزائر المحروسة نعم تعسمت بايلك الغرب فترات معينة كل مرة في الغرب. تفضل السينود. Donc notre conférencier vient d'ouvrir son intervention par dire que le fait qu'il ne parlait pas ou qu'il ne maîtrisait pas tout à fait le français malgré que nous savons qu'il le parlait un peu, donc c'est qu'il n'y avait pas d'école dans sa région jusqu'à 1954 alors que à cette époque-là, la présence française avait déjà presque plus d'intérêt.